Salut tout le monde, c'est Jonathan, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer son stop loss et son take profit. C'est une question qui m'est souvent posée, comment placer son stop loss efficacement, comment déterminer ses take profits et comment respecter son money management. Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je rappelle que notre indicateur personnalisé, le Magic Freecom, est toujours disponible en promotion. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo. Passez à l'action pour obtenir une licence à vie de cet indicateur avant la fin de la promotion. C'est vraiment un indicateur en or. Une fois que vous l'aurez entre les mains, vous n'aurez plus besoin d'autres indicateurs. L'essayer, c'est l'adopter sans prétention. Il est vraiment excellent. Il est conçu pour que n'importe quel débutant puisse trader et être profitable en suivant une stratégie simple, bête et disciplinée, qui est la cassure des magic bars dans le sens de la tendance donnée par les magic lines. Et ici, justement, on voit qu'en 1 heure sur le Dow Jones, on est ici dans une séquence de range qui représente une phase 3. J'ai déjà parlé des 4 phases du marché dans une autre vidéo. J'en parle également sur le canal Telegram. C'est très important de connaître ces phases pour prédire l'avenir. Donc ici, nous sommes sur une phase 3, c'est-à-dire une phase de range suite à une phase 2, donc une phase haussière. Cette phase 3 va annoncer une phase 4, c'est-à-dire une phase baissière. Donc là, on a des magic bars qui se sont formées, on a une magic bar verte ici qui est formée. Quand elle sera pleinement cassée à la baisse, on va confirmer une tendance baissière qui est déjà annoncée par la magic line ici. Donc notre stratégie repose sur des ordres en attente. On va placer un ordre en attente en dessous par ici à ce niveau-là, avec un stop loss par ici à ce niveau-là. Et si le prix il casse à la baisse et vient déclencher notre ordre, alors on aura de fortes chances d'avoir un trade gagnant. Si au contraire on s'est trompé dans notre pronostic, le prix ne va pas casser la barre, il ne va pas atteindre notre ordre. On ne perd pas d'argent là où un débutant aurait déjà perdu de l'argent s'il trade avec un indicateur classique comme le RSI ou la MACD ou d'autres trucs qui peuvent vous embrouiller l'esprit. Voilà, donc pour revenir à nos moutons, on part du principe où on a fait une analyse, on voit que on peut avoir un trade gagnant comme ici. On va placer un ordre en attente en dessous, mais comment placer son stop loss? Et bien c'est très simple. Le stop loss doit obligatoirement être placé au-dessus du dernier plus haut ou du dernier plus bas connu. C'est très important pour ne pas vous faire éjecter rapidement du marché alors que vous auriez pu avoir un trade gagnant. Ça signifie que si on souhaite placer un ordre par ici, on ne placera pas son stop loss juste là, on placera son stop loss ici. Ici, c'est le dernier plus haut connu. D'accord? Si vous placez votre stop loss ici, vous êtes en sécurité. Si vous placez votre stop loss ici, ça devient plus risqué. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément être éjecté du marché, mais vous augmentez le risque d'avoir un trade perdant alors que vous auriez pu être gagnant si vous avez placé votre stop loss par ici. Puisque ça arrive fréquemment que le prix, il casse, d'accord, et il peut revenir ici à ce niveau-là, c'est-à-dire faire un gros retracement avant de repartir en baisse. Et ça, les institutions le font exprès pour dégager justement les traders novices et prendre leur argent. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège inutile, placez votre stop loss au dernier plus haut qui se trouve juste là. Ça, c'est pas un plus haut puisque le prix ici, il n'est pas cassé à la baisse. D'accord? Je rappelle que les plus hauts et les plus bas ne sont validés que quand ils se font casser à la hausse ou à la baisse. Donc personnellement, je me placerai par ici, c'est suffisant pour être tranquille, d'accord? Mais là ici, ce n'est pas un plus haut. Pourquoi? Parce que le bas, il n'est pas cassé, d'accord? Donc le dernier plus haut connu, à l'instant T où vous placez votre trade, c'est celui-ci, d'accord? Puisque lui, il est cassé à la baisse. Ça devient donc ici un plus haut, officiel. Voilà, donc pour vous montrer ça en action, je passe du coup sur ma plateforme XTB que j'utilise pour placer mes trades. Je fais mes analyses avec TradingView et mon indicateur, le Magic Freecom. Mais pour prendre position, vu qu'on ne peut pas le faire avec TradingView, je le fais avec mon broker qui est XTB et sa plateforme XA105. Donc ici, on avait dit que je placerai mon trade à peu près à ce niveau-là. Donc ici, je placerai mon trade à ce niveau. Ça signifie que le stop loss va être placé à 32 262. Donc je fais nouvel ordre en attente. Donc du coup je mets 32, je vais mettre 32 422 avec un stop loss à 33
262. Je passe en vente puisqu'il s'agit d'un trade à la baisse. Et là, du coup, il faut absolument que mon take profit soit minimum équivalent à mon stop loss. Donc, si je risque 840 pips, il faut que j'ai un gain minimum de 840 pips. Donc, ça, c'est vraiment la base. D'autres personnes aiment utiliser un ratio de 1 pour 1,5. Personnellement, je préfère le ratio de 1 pour 1. C'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Et ensuite, il faut venir recalculer la taille de votre lot de sorte que le risque, c'est-à-dire la somme que vous risquez sur votre stop loss et du coup le gain que vous espérez sur votre take profit, il faut que tout cela soit équivalent à un pourcentage fixe de votre capital. Ça peut être 2% de votre capital ou 5% de votre capital. Personnellement, je préfère le 5% de mon capital. Mon capital étant de 20 000 euros, je vais donc recalculer mon volume de sorte que je risque 1 000 euros à peu près, puisque 1 000 euros, ça équivaut à 5% de 20 000 euros. Donc là, j'ai mis 0,26 lots. Ça me permet d'avoir un risque de 1 020 euros. Donc si mon trade est perdant, je perds 1 020 euros. Mais si mon trade est gagnant, je gagne au minimum 1 020 euros. Voilà, et cela me demande une marge nécessaire de 1 969 euros. C'est la somme que je vais devoir mettre en jeu pour pouvoir valider le trade. S'il est perdant, je perds 1 020 euros. S'il est gagnant, je gagne 1 020 euros. Et du coup, c'est très important de respecter ce money management avec ce pourcentage fixe de votre capital. Il y a beaucoup d'entre vous qui aiment faire des trades n'importe comment en risquant la totalité de leur capital sur un trade. Ça s'appelle du casino. Si vous voulez être gagnant sur du long terme, vous devez respecter un money management avec un pourcentage fixe. Donc là, je valide. Je valide, hop. Et du coup, si et seulement si le prix il finit par casser à la baisse, donc si il casse la magic bar à la baisse, il va venir activer mon trade avec le stop loss à ce niveau-là, d'accord? Et le take profit à ce niveau-là. Et j'aurai de bonnes chances d'avoir un trade gagnant si effectivement le prix il est cassé à la baisse. Si en revanche le prix il ne casse pas à la baisse, donc il ne casse pas la magic bar à la baisse et ne déclenche pas mon trade, je vais annuler mon ordre et je vais réanalyser la situation en fonction. Et du coup, je n'aurai pas de trade perdant là où un trader débutant, il aurait déjà eu son argent perdu en suivant bêtement une MACD ou un RSI. Vous voyez qu'ici, avec des ordres en attente, vous êtes tranquille. Vous placez votre ordre et vous vaquez à vos occupations. Et votre ordre se déclenchera au meilleur point d'entrée possible. Voilà, donc retenez bien que le stop loss doit toujours être placé idéalement au-dessus du dernier plus haut ou du dernier plus bas connu. Ça, ici, ce n'est pas un plus haut. Le plus haut, il est ici, d'accord? Donc, vous devriez placer votre stop loss ici. Si vous le placez plus bas, ça devient un peu plus risqué. C'est toujours jouable, attention, c'est toujours jouable, mais le risque est plus élevé. D'accord? Ici, vous êtes en sécurité. Si le prix il revient casser ici, c'est que vous deviez avoir un trade perdant. Ce n'est pas de votre faute. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez encore une fois rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage mes astuces, mes stratégies ainsi que des signaux. Je prends toutes mes analyses avec un seul indicateur, mon indicateur, le Magic Freecom, qui encore une fois est vraiment excellent et simple à prendre en main, simple à utiliser et très rentable. Voilà, donc en attendant de vous retrouver au sein de notre canal Telegram, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!